sommes repartis. Ouh, du vent d'or. Nous sommes bel et bien repartis. Pour notre survie. Alors, quelle heure ? Oh, il y a encore. Bienvenue dans les épisodes précédents. Nous étions donc à la colline au signal. Donc nous sommes descendus jusqu'à la ferme. Il y avait aussi un petit bâtiment juste avant. Mais on fait la ferme. On a tué aussi un loup. On a récupéré de la viande. On a récupéré des choses intéressantes la dernière fois. On a récupéré la couture facile. Ça, c'est des livres vraiment qui valent leur pesant d'or, en fait, pour nous, surtout pour nous. Parce que c'est vraiment le raccommodage qu'il nous faut. Après, on n'a vraiment plus besoin de rien. L'allumage des feux, peut-être, pour juste un peu booster le truc. Mais bon, de toute façon, on va y aller au bout d'un moment. Mais c'est vrai que le raccommodage, vraiment, aiderait. Ça serait bien de trouver des livres à 15h, si ça existe. Voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre d'intéressant? On a trouvé du matériel que j'ai mis dans le réfrigérateur. Parce que oui, dans le réfrigérateur, on met des caisses à outils et tout ça, de nos jours, c'est comme ça. Donc on a une caisse à outils en plus, on a une scie en plus, on a du métal en plus. Il y a du métal qu'il faudrait qu'on récupère en plus, parce que j'ai pas pris le métal qui était dans la tour. Mais voilà, donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va bouger. Donc on est là, on va faire ligne droite comme ça et on va aller à la ferme là. Je sais pas si ça va durer très très longtemps. Je crois qu'on va dormir parce que ouais, il y a trop de temps là. C'est vraiment mauvais de faire ça. C'est vraiment mauvais de faire ça. Parce que là on perd du temps en fait à l'intérieur. On devrait être bon là peut-être. Oups, pardon. Hop. Ok, là, je voudrais lire, voir si on peut lire. Ok. Donc du coup, je sais pas si on va durer très longtemps dans... Il fait encore mieux. Dans la ferme. Je pense qu'on va directement aller dans la ville, qui est pas très loin de la ferme. Parce que je pense pas que ça va durer 3 heures la ferme. À moins qu'on ait un problème sur la route, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Bon, après, c'est vrai que là, on a une tempête qui se passe en ce moment. Donc, je sais pas trop quoi faire. Comme j'ai dit, à la limite, on devrait récupérer du métal. Donc, ce serait bien si vous trouvez un seau ou une connerie comme ça. On a la scie qui est abîmée. Ouais, on a la scie qui est abîmée. Ça, on peut pas couper. On peut couper la... Non, même pas. J'ai envie de casser cette table pour voir ce qu'il y a en dessous, mais bon, ça utilise la hache. Bon, il nous faut un tout petit peu plus de métal. Mais vraiment un truc rapide, genre à couper rapide. Sinon, on va passer 3 heures dans le sous-sol. On pourrait passer 3 heures dans le sous-sol aussi. Ça m'embête un peu. Quoi qu'elle dans la ville, on trouvera des trucs à couper, c'est pas très grave, ouais, on a pas vraiment besoin. Du coup, donc on doit prendre un faitout, ça, le reste on le laisse là. On va faire comme ça, c'est très bien. Le bois, je sais pas si on prend du bois avec nous, je pense pas qu'on en ait besoin, honnêtement. Mais ça, boyau tout ça, on n'a pas besoin. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de récupérer du bois. On prendra ça plus tard. Enfin, on prendra ça sur le chemin. Plutôt. On va prendre ça, Quoique, est-ce qu'on prend vraiment le kit de couture? Parce qu'on en a déjà quoi? On a déjà deux. Je dirais qu'à la limite, en fait, quand on repartira du Mont Timberwolf, on fera le même chemin dans le sens inverse. Donc du coup on prendra les objets qu'on a laissés sur le tas, non? Ça serait pas mal de faire ça je crois. Donc on va prendre une caisse. À la limite ça j'ai envie de le laisser. Ça il faut le prendre évidemment. Il y a trois scies. Je prends les trois scies parce que j'ai envie d'utiliser celle qui est déjà abîmée.
pour couper les métaux et après on la déposera plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Le tissu. Le tissu, on va en garder 20 sur nous. Quoi qu'après on sera dans la ville. Donc là aussi encore une fois on va avoir plein de tissus parce que il y aura plein de maisons. Donc on va laisser ça là. Le métal on va le prendre comme j'ai dit. Ça là. Charbon. Charbon on dépose. Oui, vous voyez ce qu'on va faire? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On fera le. Quand on repartira de cet endroit, donc on fera le même trajet mais sens inverse. Le café, on va le garder parce que le Mont Timberwolf va être peut-être un peu chiant. Ça dépend de la du problème avec le temps. Et du coup, on risque d'avoir des petits problèmes. Ça descend vite. Là, on risque d'avoir des petits problèmes, Mont Timberwolf. Donc, le fait de rester peut-être éveillé, ça serait utile. Mais ça fait quand même beaucoup de tasses à café, en fait. Ça en fait 8. Je sais pas. À chaque fois, je sais pas. On peut peut-être en garder que 4. Et il y a un truc aussi que j'avais vu. Ouais, je crois que les allumettes, on va en déposer. Parce qu'on en a trop. C'est vraiment bête qu'on puisse pas les mettre ensemble à chaque fois. C'est tout ça à cause des... De la qualité. Ça devrait pas exister, par exemple. Parce qu'elles se détériorent pas, les allumettes. À ma connaissance. Elles se détériorent pas, à moins que je n'ai vraiment pas fait gaffe. Mais je crois pas qu'elles se détériorent. Donc, du coup, ça sert vraiment strictement à rien d'avoir des allumettes de qualité différente, en fait. En tout cas, à ma connaissance, une allumette qui a 1%, une allumette qui a 100%, fera exactement le même travail. Donc... Et du coup, en fait, ce qui nous empêche... Enfin, le problème que j'expose, c'est que ça nous empêche de faire des stacks. Donc c'est chiant. C'est ça qui est bien relou, en fait. C'est le fait de ne pas pouvoir faire de stacks, je trouve. Enfin, c'est... Honnêtement, j'espère que la communauté est assez active sur ce jeu, parce que j'attends beaucoup des mods. Genre des petites choses comme ça, qui pourront vraiment modifier le jeu et améliorer les petits... problème, parce que pour moi c'est quand même des petits problèmes comme ça. Genre c'est un peu la même histoire que de... je crois qu'on va lire. Parce que je voulais récupérer du tissu mais on en a déjà plein. Je crois qu'on va lire le livre. Parce que pour moi le jeu est de très bonne qualité et tout ça, mais il y a quand même des petits problèmes et ça finirait comme XCOM à la limite. Ou des fois XCOM, ceux qui sont derrière XCOM, on met des années ou des fois on n'a même pas corrigé certains bugs. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait un bug avec l'acide et tout ça, ils ont mis un an et demi à corriger ce bug. Alors que la communauté, vu que le jeu est très très facilement modable, on va dire, ils ont mis une semaine à corriger le bug. Et après, la correction officielle est sortie genre un an et demi après. Donc pour moi, The Long Dark est un tout petit peu similaire par rapport à ça. Un tout petit peu similaire. Il y a des trucs qui devraient... fonctionner de telle ou telle manière et pas d'autre. Enfin, après c'est des préférences, quoi. C'est de la qualité de vie, surtout. C'est de la qualité de vie. Donc, on a ça qui est à 440. Je crois qu'on est plein. Je crois qu'on peut partir. Par contre, on est un peu léger. Pourquoi on est léger? Parce que j'ai posé beaucoup de choses, c'est ça? On était quoi, 43 kilos en fait quand on était parti la dernière fois, donc qu'est-ce qui change là? C'est parce que j'ai pas la viande et j'ai pas beaucoup d'eau en fait, c'est ça? Je crois que c'est ça. Sinon je vois dans l'inventaire, il est plein. Enfin on a tout ce qu'on doit, tout ce qu'on a besoin. Ouais, non, on est bon. Putain, et du coup il est presque nuit en fait. Ah, c'est chiant. Ouais, c'est par là-bas. On va prendre 1 litre d'eau en plus. Ouais. De toute façon, quand on ira dans la ville, il y aura des maisons, donc du coup, toilettes, l'eau des toilettes. Donc ça se passera bien. J'aime bien comme le loup, à chaque fois, il est debout quand on arrive.
Ah oui, du coup, j'avais pas posé la viande en fait, donc elle est sur moi. Bah, on va prendre ça. On va prendre ça. Je vois pas de plume. C'est parti. Il fait un très beau temps encore une fois. Très très beau temps. Elle est pas extrêmement fatiguée. Il est presque la nuit. Enfin, il fait tard déjà. On va sprinter un peu. On a un pont là-bas. On pourrait prendre le pont. Je sais. Par contre, je sais pas s'il y a des voitures. Je crois pas qu'il y ait de voitures en fait. Non, je crois que ça sert à rien de prendre ce pont. C'est pas une route en fait, c'est un petit chantier en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut tracer directement tout droit. Là-bas, ça c'est une route à droite. À droite, c'est une route. On aurait dû peut-être passer par la route en fait. Ouais, c'est pas grave. Bah non, si c'est grave. je vais me déplacer sur la droite. Il fait même pas froid. Bon. On va fouiller ça, puis après on va aller plutôt sur la droite pour voir s'il n'y a pas des voitures. Il y a un cerf déjà. Il fait jour, il fait bien soleil, on peut utiliser la loupe. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont assez d'accord avec moi sur le... Genre les vêtements en fait qui s'usent... Oh là-bas on voit une voiture. Les vêtements qui s'usent alors que genre on les porte pas. Ou alors le sac à dos qui s'use alors qu'il est dans notre sac, genre on l'utilise pas. Y a des choses comme ça pour moi qui sont pas logiques. Alors après on peut dire toujours dans le fait que... Ah oui, mais si jamais il s'use pas automatiquement, en fait, il s'userait jamais et tout. Moi, à la limite, j'augmenterais en fait l'usure quand on utilise, par exemple, le sac de couchage. J'ai dit sac à dos. Je parlais du sac de couchage qui s'utilisait sans l'utiliser. Qui s'usait sans l'utiliser, pardon. J'essaie d'être clair avec mes propos, mais je suis en train de m'en mêler. C'est quoi ça? Un lapin. Et du coup, à la limite, moi, j'augmenterais donc l'usure qu'on utilise, le sac de couchage. Mais vraiment complètement annule en fait l'usure quand il est dans notre sac. Alors après on peut en discuter en disant que c'est de la peau d'un animal, donc la peau peut-être se détériore avec le temps. On peut toujours parler de ça, mais je sais pas vraiment. Une fois que la peau elle est séchée, je suis pas sûr que la chose s'abîme en fait en restant comme ça dans un sac quoi. Genre le sac de couchage, je suis pas sûr qu'il s'abîme en restant dans le sac. Enfin, après c'est mon avis. Donc si jamais il y a des mods comme ça qui modifient des petits trucs, je serais assez content honnêtement. Mais après ça nous change pas grand chose honnêtement. Après je vais être honnête, hein, ça change pas. Oh putain, encore des allumettes, la blague. Ça change rien pour nous, ça va pas rendre le jeu plus facile ou plus dur. Hein. C'est vraiment juste... Ce genre, c'est qualité de vie, quoi. Tu veux pas la mettre? On peut pas la porter, parce que c'est très lourd. En fait, je voudrais faire ça pour... L'autre il attaque un lapin. Ah, on va pas se le faire, on s'en fout. Ok, donc ça a pas marché. Attendez. Nourriture, matériaux. J'aurais pas dû dessiner. Je pensais que ça allait le dessiner, la batterie que j'ai mis par terre en fait. C'est très très con de ma part. On aurait dû faire juste la bombe. C'était très 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 con de ma part.
Perdre la vie pour rien. On va directement aller dans la grange pour se réchauffer. Là j'ai envie de me taper. Dans ces derniers cas comme ça, j'ai juste envie de me taper. Parce que c'est vraiment con ce que j'ai fait. C'est complètement inutile. Mais bon, c'est fait maintenant. Donc on a toujours hein, ce gros lag hein, quand on rentre, quand ça sauvegarde. C'est vraiment un problème. Un outil simple, très bien. Donc c'est ici, il n'y a pas grand chose à vérifier, donc je crois qu'on va vite partir, honnêtement. Je sais même pas si on va rester la nuit, parce qu'il n'y a pas de but en fait, à rester la nuit. On se réchauffe très vite maintenant, à chaque fois qu'on rentre dans des bâtiments, on a plus de 20 degrés, donc on se réchauffe très vite. Donc du coup... On n'a pas vraiment besoin de dormir genre une heure. Quoi. Intéressant, intéressant. Arrête avec ta buée. S'il n'y a pas des fils ou des trucs, non. La veste de ski, on s'en fout, on va la déposer par terre. Ok, très bien. Là, il n'y a rien en dessous. Oh. On va être un peu. Ouais, non, c'est sûrement la veste qui pèse lourd. On devrait pas être trop lourd. Ah, elle commence à être fatiguée en fait. Yeah, ok. On pourrait passer la nuit ici, mais j'ai pas vraiment envie honnêtement. Oh, intéressant. Allez, dépose là, là. Non, on a qu'à la déposer là. Zap. Fait deux trucs contre deux batteries là d'affilée, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Est-ce que du coup on peut faire matériaux? Pas plus que ça intérieur, ça. Ok. Ça ou enfin ouais non quoi que ce soit, non dans un sens c'est logique que ça soit pas sur la carte. Chasse à l'arc, ça sert à rien. Oh c'est cool. Oui, non, ça sert à rien de les prendre ces livres-là, c'est con. Ah, ça aussi, il faudrait bien qu'on puisse quand même lire les livres. Une fois. Ouais, donc ça servira à rien en fait. Autant juste dormir, quoi. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'allais dire une connerie. On va être un peu lent. On n'est pas. On est loin quand même du village. Qu'est-ce qu'on fait? On dort ici? Ah, je voulais partir moi directement. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Alors, du coup, on va poser les trucs sur cette table-là. Toutes les choses, les objets. Alors, ce qu'on prend pas. Alors déjà, on a vêtements, on a ça. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a ça. C'est très bien. J'aime bien parce qu'à chaque fois, on trouve des bombes et tout. On remplace en fait celle qu'on vient d'utiliser. C'est marrant. Donc, hop. Ah, très bien. Stimulant d'urgence, j'ai...
J'ai pas vraiment envie de prendre... Un, ça suffit. Un, ça suffit largement. On a encore des allumettes en plus. C'est encore... C'est encore honteux d'avoir autant d'allumettes. Honteux. On est au jour 150, je crois. Ça, on va pouvoir en faire une... Un récipient, mais bon. Ok, c'est bon, on se casse. Ah non, quoique... Il y a une voiture, je crois. Non, un tracteur, je crois, autour. Bah voilà, il y a deux tracteurs. Là. On va voir s'il y a des objets. La cible, là, ça sert à rien de regarder. Dans notre difficulté, on n'a rien. On peut trouver des... Des flèches plantées normalement. Mais nous, ça sert à rien pour nous. On pense avoir du vent en plus de ce côté. Non, rien de ce côté. On va aller voir la grange là. Enfin, ce qu'il y a. Les débris là. On aurait pu rester à l'intérieur, casser du bois par contre. On aurait pu faire ça. Casser du bois, récupérer du bois et après prendre le bois pour aller au village. Mais... Bleh. Ah, j'ai oublié de... Ah, j'ai oublié de peindre. Merde. Très très bien. On entend encore des loups. Est-ce qu'il y a des trucs dans la caisse? Pas trop froid non plus, faut pas exagérer. Ok, c'est par là-bas. Ah, bon, on va prendre le pont. Chaque fois, je le prends jamais, ce pont. Il est placé d'une façon où je le vois jamais, honnêtement. C'est bien un pont, ça, oui, c'est bien un pont. Parce qu'il y a cette petite route, là. C'est une sorte de chemin, quoi. C'est même pas une route. Il y a un pont. Mais à chaque fois, moi, je passe par sur le côté, là. Ouais, non, c'est bien un pont. Le village, il doit pas être loin. On devrait vite le voir. Normalement, c'est là, je crois. J'aime bien comme ça grince et tout. Après, ah oui, une chose qui serait pas mal et qui est très facile à faire en mode. Une chose extrêmement simple, c'est tout ce qui est texture. Donc, ça, je pense que ça va être intéressant. Parce que c'est vrai que dans... Quand on regarde, qu'on veut être un peu méticuleux par rapport aux textures et tout ça... Il n'y a pas beaucoup de différence entre les arbres. Après, dans un sens, on est au Canada, c'est, on est dans la même région, c'est le froid, les arbres se ressemblent plus ou moins tous, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est pas embêtant. Mais je sais que ça, c'est une chose très simple en fait à faire, rajouter du genre de l'aléatoire et refaire du des textures d'arbres de, ou des choses comme ça. Donc ça, ça peut être pas mal. Texture aussi de tout ce qui est équipement, vêtements qu'on peut trouver sur le, dans le monde. Ça aussi, je sais que par exemple sur Fallout 4, il y en avait plein des retextures, genre de meilleure qualité. On peut aller chasser le cerf là. Trois cerfs, c'est bien. Je suis en train de réaliser du coup que... Oui, enfin ça c'est la... Ouais, non, on n'a pas dessiné la... Quel con. On n'a pas dessiné la grange du coup. Je viens de réaliser. J'ai juste mis un... De la peinture, quoi. Oh là là là.
fais n'importe quoi. J'oublie tout, j'oublie toutes les choses à faire. Importantes. Non, c'est pas grave. Après, c'est du plat ici, donc ça nous avance pas vraiment. Enfin, après, on peut essayer de trouver des petites montagnes comme ça. Pour essayer de dessiner le plus possible. Il y a un cadavre là. Ou un cadavre. Enfin, quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant vu que c'est du plat. Un peu relou quoi. C'est quoi ça? Ah, mais c'est la. C'est pas ici le village. Je crois que c'était plutôt là. C'est un clocher ça, non? Je crois qu'on est arrivé. Ah, c'est bon, on est arrivé. Bon, bon, merci les corbeaux. Je m'étais un peu perdu apparemment. Ah, ça y est, on y est, nous y sommes. Il y a beaucoup de choses à check. Bon, pour nous, hein, comme j'ai dit, on va pas trouver énormément de choses. Mais bon, un peu check. Ça ne tente rien. Attends, il me faut une miniature pour ma vidéo. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est parti. Bah voilà, bah du coup on passera notre épisode ici, je pense. Il y a beaucoup de choses, il y a sur le pont, parce qu'en fait il y a la... Oh mon dieu. Il y a le village, après il y a la route, après il y a le pont, après il y a encore d'autres bâtiments. On a le temps, hein. Là on va passer un petit moment à check les choses. Donc c'est très très safe, très tranquille. À la limite j'aurais bien voulu aller dans le... dans l'immeuble principal, genre maintenant, pour déposer des objets. Mais oui, on va le faire, il fait bientôt nuit. Parce qu'après, on va plus rien voir, en fait. Okay, okay. On va fouiller... Après. On va fouiller après. On va aller d'abord dans le bâtiment principal qui est près de la route. Comme ça, on est tranquille. Vous voyez, là, il y a le pont. Là-bas, il y a encore des bâtiments. Il y a des véhicules. Là-bas, il y a une carcasse de cerf, je crois bien. Bâtiment, bâtiment, véhicule. Après, de l'autre côté de la route, faut faire attention parce que des fois il y a des loups hein, dans la... qui se baladent dans la ville. Là-bas, c'est station essence, je crois. Petite station. Ah, c'est plutôt cool ici. Plutôt cool. Et je crois qu'on peut pêcher, je suis pas sûr. Oh mon dieu. C'est vraiment un problème ce truc. Alors. Vous voyez, c'est ça aussi encore, on parle de mode. Pour le moment, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. On va juste fouiller la ville, ça va prendre du temps. Donc ça, on va passer l'épisode ici, quoi. Donc on va parler des modes. Par exemple là on voit qu'il y a un problème avec les temps de chargement. Enfin les moments de sauvegarde là. Le jeu freeze. C'est immonde quoi. Des choses comme ça, Interland mettent énormément de temps à corriger. Genre par exemple il y avait vraiment donc un bug, un problème avec les plumes. Où certes, en fait il y avait pas mal de plumes en fait qui apparaissaient pas. Quand il y avait des cadavres, autour des cadavres. Avec des corbeaux et tout ça, mais il y avait les plumes qui apparaissaient pas. Donc c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai commencé à détruire, en fait, les flèches avant qu'elles se cassent d'elles-mêmes. Comme ça, on récupère 3 plumes au lieu de 2. Donc, du coup, on peut refaire la flèche directement. Et donc, c'était bien un bug, parce que ça a été corrigé avec la mise à jour, avec une des mises à jour récentes. Mais du coup, ben, c'est le bug, il était là depuis... Enfin, le glitch, le problème, quoi, il était là depuis 3-4 mois, je crois. Un truc comme ça. Donc, ouais, quoi. Enfin, vous voyez, ça, tu vois, vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ça qui est bien dans les modes. On va tout mettre là, par contre. On va utiliser cette caisse. Et je crois que c'est ça qui est vraiment bien dans les modes. C'est que une chose comme ça, où il y a vraiment un problème, les gens se mettraient directement dessus et corrigeraient directement le problème, en fait. Parce que là, on est complètement obligé d'attendre les développeurs. Et quand c'est une petite équipe comme ça, et qu'ils n'ont pas beaucoup de gens dessus, ça peut durer genre 6 mois facilement, quoi. Alors que c'est un tout petit problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est pour ça que modder c'est bien. Et pouvoir laisser, de nos jours, pouvoir laisser une communauté modder un jeu, c'est vraiment bien. Moi en tout cas, si j'étais à la tête d'un jeu, c'est ce que je ferais à la limite. Après ça dépend le type de jeu évidemment. Mais si j'avais un jeu comme ça, ouais. Mon jeu serait ouvert au modage. Assez vite quoi. Pas le jour 1, mais peut-être, mais assez vite. Je savais même pas qu'on pouvait fouiller ces tiroirs, tu vois. Donc ouais, ces petits problèmes comme ça seraient déjà réglés en fait depuis longtemps. Bon, mais ici ça va être vite réglé. C'est un peu désolant. J'ai peur qu'on ait un peu le mal de l'enfermement parce qu'on va passer beaucoup de temps en fait à l'intérieur. J'ai un peu peur de ça. Et je sais pas où sont les grottes ici vraiment. À part les grottes en fait pour changer de zone parce que bah, c'est par là qu'on passe quoi. Mais sinon une grotte comme ça naturelle pour... genre des grottes à ours quoi au final. Je sais pas trop où ça se passe. Donc je sais pas trop en fait. Si on doit dormir dehors, je sais pas trop où aller. Bon bah voilà. Y'a rien. On commence à fatiguer. Là on a un seau qu'on peut apparemment pas... Qu'est-ce qui se passe? Ouais non, le seau par exemple, lui par exemple, on peut pas le casser alors que les seaux normalement on peut... Vous voyez, ça c'est des petites choses aussi que normalement on devrait pouvoir les casser. Parce que tu vas pas faire en sorte que un se casse mais pas l'autre alors que c'est exactement le même modèle. Pourtant on a bien la scie dans notre... Oui. De toute façon ça nous le dirait, genre on peut pas le faire s'il nous manque la scie. Et vous voyez ces petits problèmes là, c'est... Ouais. C'est embêtant. Bon. Ça on va le garder. Quoi qu'on va faire comme ça. Ça je le garde sur moi. Ça on l'ouvrira si on a une boîte. Si on a un ouvre-boîte. On va aller voir le reste. On va aller de l'autre côté de la route. On pourrait dessiner. Faudrait que je me cache du feu. Qu'est-ce que je raconte? Faudrait que je me cache du vent. N'importe quoi. Okay, très bien. Très bien. Je voudrais vraiment aussi un mode qui enlève ce point blanc là, quand on sort le là. Je trouve ça tellement moche d'avoir une sorte de curseur là comme ça pour trouver les objets et pour pouvoir cliquer dessus, d'accord. Oh mon dieu, moche. Deux objets dans la boîte à gants, non, ça va pas la tête. C'est trop pour nous. Pour prendre les objets, oui, mais pour tirer, on n'a pas besoin. En plus, ça nous sert à rien parce que le point blanc en fait s'en va. Quand on vise. Donc c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le truc qui est là qui rend la chose moche, qui est pas utile du tout quoi. Il n'y a aucune utilité en fait de ce point blanc quand on sort là. J'aime bien avoir... Moi c'est le strict minimum en... Vous voyez, saut de métal là on peut. Le strict minimum en HUD en fait. Ce qui s'affiche, moi ça me plaît quand il n'y a pas grand chose en fait. C'est ce que j'avais fait aussi sur Fallout 4. J'ai pris des mods comme ça qui cachaient les choses et tout. Comme ça, ça vous pouviez vraiment explorer, vous pouviez regarder un peu partout et tout, c'était beau. Vous voyez ce que je veux dire?
très bien. Thompson's Market. C'est pas une... A chaque fois je dis station essence, en fait je dis c'est pas ça. On va rien dire. Ouais. Bon, alors on va pas... Oh là, ça sert un peu à rien de fouiller. Bon, on a un livre. on va aller lire et dormir, ok? Je vais pas faire ça. Je vais pas fouiller dans le noir comme ça. C'est un petit peu relou. Alors qu'il fait super jour ici, quoi. Ça aussi, je pense qu'il devrait corriger tout ça. Pour moi, c'est un problème. Qu'il fasse que la luminosité soit extrêmement différente en fait entre l'intérieur et l'extérieur au même moment de la journée. Ça, c'est un problème pour moi. Tu vas pas me dire qu'il peut pas faire aussi jour comme ça et aussi sombre à l'intérieur alors qu'il y a des fenêtres et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je serais très heureux hein, si c'est comme ça. Quand il fait jour et que j'ai les yeux assez sensibles et tout ça. Genre j'ai gros rideaux et tout pour bloquer la lumière. Donc du coup, moi, je serais très heureux hein, si à l'intérieur il faisait sombre sans avoir à mettre ça. Enfin, c'est parce qu'il y a un caillou en fait. On a des massettes. Ça nous sert à quelque chose de prendre des massettes? Non. Ah, le bon vent. Le bon vent qui nous pousse. Il y a aussi... Là, il y a une sorte de marché aussi. Ah non, c'est pas des champignons. Il y a une sorte de petit marché ici. C'est possible aussi qu'on trouve des objets. Bah oui, on a qu'à fouiller maintenant en fait. Des caisses. Farm fraîche. Des fois on trouve des trucs. Oh. Ah, je savais même pas qu'il y a un sac. Je me rappelle pas. Bon, là, on va rentrer s'il y a la froid. Farm fraîche, produce. Il y a là aussi. Ah, il y a encore plein de choses à regarder. Allez, on rentre. Rentrons au chaud. Oui, regarde, pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est gris-noir? Enfin, bref. Donc on a un lit là. On va faire ça. On va manger ça. Ah oui, j'avais dit qu'on voulait lire. On essaye de lire une heure. C'était peut-être une connerie, honnêtement. Ah, c'est bon, on y est arrivé. On est arrivé à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, raccommoder, c'est trop tard. Non, on va juste manger. On va juste goinfrer. On va juste se goinfrer. Ah, très bien. On dort au maximum. J'ai vraiment peur qu'on ait le mal de l'enfermement bientôt. Pas regarder l'heure qui était, je vois un peu. Bon, ça va. On va peut-être attendre un peu et devoir lire une heure, genre histoire de qu'il fasse jour.
Sinon, j'étais en train de réfléchir après ce qu'on fait. Donc on finit le village. On peut se balader un peu et chercher des choses, mais bon, à part ce village, il n'y a pas grand-chose aux alentours. On fait ça. Après, ce qu'on va faire, on va peut-être repasser par la grange, parce qu'en fait, c'est par ce chemin, en fait, si on veut faire une ligne droite, c'est par ce chemin qu'il faut passer. Je vais le montrer sur la carte. Il faut encore aller. Voilà, très bien. Très très bien. Je vais le montrer sur la carte ce qu'on pourrait faire. Alors nous on est là. Et ça c'était la grange. Donc du coup, nous on a un... Le mont Timberwolf c'est plutôt de ce côté-là. Et là par contre il y a le crash d'avion. Donc j'ai envie d'aller le fouiller. Donc ce qu'on pourrait faire en fait... Alors, il y a deux écoles où on peut faire comme ça. Et du coup là on repasse par la grange et tout, du coup on la dessinera aussi. Mais on repasse par la grange et puis bah, comme ça on peut s'arrêter s'il fait froid et tout ça. Ou alors on suit le lac là. Mais là je crois qu'il n'y a pas grand chose genre pour s'abriter. Il n'y a pas de maison ou des trucs comme ça. Il y a peut-être des grottes mais je suis pas sûr. Donc je crois que honnêtement passer de ce côté droit c'est pas vraiment très très intelligent de faire ça. On va dire que c'est le côté le risqué. Donc on va peut-être pas faire ça. Donc je pense que passer par le centre et repasser par la ferme est quand même beaucoup mieux. Alors, okay, on va finir là-bas. Je pense que ouais, on a une meilleure chance de repasser par la ferme. Ce sera plus tranquille. Puis si jamais le mauvais temps se lève au moment où on commence à partir, qu'on est sur la route. On pourra directement se mettre à l'abri, dormir et tout ça. Et juste attendre que ça se passe. Et après, ouais, on ira donc au crash là. J'espère qu'on trouvera des choses assez intéressantes. Et puis après au crash, on ira directement à l'abri qui est à côté du mont Timberwolf. Et, oh. Et on restera du coup là, à cet abri-là. Et ça sera... Et ça sera le départ pour le mont Timberwolf. Et c'est là qu'il n'y a pas la corde. Mais voilà. Tranquille. Ça sera tranquille. Le mont Timberwolf devrait pas être très très compliqué à faire. Je vais être honnête, ça risque d'être... C'est cuisine ou c'est feu ça? Cuisine. Du coup, non. Le mont Timberwolf est pas très compliqué. Enfin, je le connais assez bien. Donc, ça se passe. Ça se passe, honnêtement. Il y a beaucoup de grottes, en fait. Donc, on pourra bien se protéger, on va dire. On a des très bons vêtements. Très, très lourds et très chauds. Donc, on devrait pas avoir de problème de froid. On a aussi des galeries de grottes, donc là du coup ce serait comme si on était à l'intérieur, donc on n'aura pas froid. Donc je pense que ça se passera bien. La chose c'est que c'est pas très long non plus au final le mont Timberwolf. C'est un peu le bordel si on connaît pas, honnêtement, parce que ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche, il y a des cordes aussi à prendre, c'est un peu un problème. Mais si on connaît où il faut aller et tout, ça va très vite. Donc du coup, je crois que ça va pas nous prendre très très longtemps. Et après, on avait dit quoi après le mont Timberwolf? Je me rappelle pas. Ah si, ah si, si, si. Après, on ira récupérer le code pour aller à la forge, la nouvelle forge. Bon, nous, on pourra pas forger les trucs, mais enfin pas forger les balles, mais voilà quoi. On pourra y aller et voir un peu comment ça fonctionne. On ira combattre des loups gris. On va passer notre temps à faire ça. Ah, il nous faut de la nourriture par contre. Je viens de m'apercevoir, c'est vrai qu'on n'a pas de nourriture. Parce que je viens de voir le cadavre, je me suis dit on peut prendre de la viande sur la carcasse.
C'est pas mal aussi de regarder ici. Des fois, il y a quelques petits objets qui peuvent apparaître. C'est pas si mal. On a fouillé quoi là? On a fouillé là, ça. Très très bien. Je crois pas qu'on puisse rentrer là. Non. Barricader. Est-ce qu'on peut. On a froid. Ouais, ce serait un peu bête de le faire maintenant. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des plumes vite fait, vu qu'on passe à côté. D'accord, en plus le truc il est en train de voler, c'est bien. Waouh, beau boulot. Beau boulot, mon immersion là-haut. Hein? Mon immersion. 15 minutes, regarde-moi ça, ça aussi ça y est toujours, ce bug. Laissez modder le jeu. La 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 la. Jesus, it's cold. Chut. Arrête de plaindre. Ok, on va faire la ville et après. Après, on voit ce qu'on fait. Bon, on a fait cet endroit-là, on a fait là-bas. Il ne reste plus que la ville elle-même, il y a quelques bâtiments encore à faire. On a fait l'église en entière. Hein. Je crois bien. Là, est-ce qu'il y a des choses? Non. Pardon. Ah, là-bas, peut-être. Il y a une maison, il y a des lapins, il y a une maison barricadée. Peut-être derrière la maison barricadée, peut-être des choses, on sait jamais. Non, on joue des lapins. On pourrait prendre le lapin pour faire de la nourriture. Si on doit utiliser une flèche, autant aller prendre genre un cerf quoi. Autant chasser un cerf. Faut qu'on aille dans un bâtiment pour qu'on se réchauffe. Après, parce qu'après il y a les voitures, mais les voitures sont pas assez chaudes. Eh ben c'est bien. Un bon bâtiment qui sert à rien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on a encore cette maison là. On va regarder les voitures vu qu'on a un tout petit peu chaud. Ok. Il y a les bruitages aussi, parce qu'on parle de texture et tout ça, ce qui est assez simple à faire en mode. Mais il y a aussi les bruitages. Attends. Non, okay. Il y a aussi les bruitages qui pourraient être faciles à être rajoutés en fait dans le jeu. Genre des bruits de corbeaux, des bruits de trucs. Bon après c'est vrai que ça rendrait un peu la chose plus difficile, parce que les corbeaux c'est toujours les mêmes bruits donc on les connaît. Donc du coup on sait où regarder, on sait où se diriger, si on cherche genre des cadavres ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, on pourrait avoir des différences et tout ça, c'est peut-être pas mal. Il y a plein de choses, hein, que les gens peuvent faire, donc c'est vraiment cool. J'avais dit aussi qu'on prendrait des tissus ici.
dans les maisons. Donc on verra. Ça c'est bien. Siphonello. On est aussi lourd que ça. Ah oui quand même. J'avais pas vu que c'était un bon résultat. Très bien. Donne-moi du café. Je dois trouver du café, ce serait bien. Les tisanes aussi. Tisanes, on n'a pas. On n'en a pas. Je crois qu'on n'en a pas. Ou alors peut-être Mystery Lake. Peut-être qu'on en a encore quelques-unes. Mais ça pourrait être pas mal si jamais on a des. Il nous arrive un pépin et qu'on doit récupérer pas mal de vie, genre vite fait. Très bien. Ouais. Moi, pas de super top. Toi, tu as quoi? Rien. Bon bah cette ville nous a pas... Ah quoi que non, si quand même on a eu une pierre à aiguiser. Non, si si si. Honnêtement ça vaut le, son pesant d'or. La pierre à aiguiser. Ça vaut son petit pesant d'or. Regardez, on peut voir à travers. Oh, c'était dégueulasse. Désolé. J'ai cassé l'immersion à tout le monde. Désolé, je voulais pas. Je voulais pas, c'était pas intentionnel. Ah, si, un peu. Ah. Bon bah, pas grand chose en fait ici. Je sais pas si on a tout vérifié à l'extérieur. Je crois qu'on a fait le tour, honnêtement. Je crois qu'on a légèrement fait le tour de la maison. Enfin, du village. Celui-là, on l'a fait. On l'a fait, voiture, camion, on l'a fait. La farm fraîche, là, on l'a fait. Ah, ici, peut-être. Ah, oui, il y a cette, ce bâtiment à gauche. Là. Donc ça, des fois, il y a du bois. Enfin, c'est des provisions. Je sais même pas si c'est censé avoir du bois. Peut-être de la nourriture à la place. Là, il y a un chien. Genre, après, les gens pourraient faire des nouvelles régions. Genre, transformer le jeu en jeu d'horreur, quoi. On fait des nouvelles régions et tout ça, où des gens sont entretués. Je sais pas. Vous en faites un jeu d'horreur, ça pourrait être pas mal, hein. Je suis sûr que les gens pourraient faire des nouvelles régions. Je pense pas que ça soit très difficile, il suffit de mettre une entrée en fait qui est attachée à une région qui existe déjà. Après vous faites votre carte quoi, plus ou moins grande hein, comme vous voulez. Puis après vous mettez des assets en fait, genre les maisons par-ci, des arbres par-là, etc. Et vous faites un peu ce que vous voulez. Ça peut être intéressant, ça peut, je pense que ça peut se faire. Après tout dépend si le jeu il est aussi modable que ça. Ça dépend des outils en fait que Interland donne aux gens. Mais ouais, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Moi je serais... On va le prendre, on le mettra dans le bâtiment. Tous les objets qu'on trouve, on les remet dans le bâtiment, de toute façon. Bâtiment principal. Genre moi je serais assez pour, hein. Genre si jamais des gens arrivent à faire des nouvelles zones et tout, des nouvelles zones avec des nouveaux objets aussi dans les nouvelles zones, genre je serais pour genre continuer cette survie, et parce que de toute façon on va arriver au bout d'un moment, on va arriver à faire toutes les zones et tout ça, il nous reste vraiment pas grand chose hein, à visiter honnêtement. Et à la limite, je dirais, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas rajouter, genre, des mods sur cette survie.
Et on irait dans des zones que les gens ont créées et tout, et comme ça, là, il n'y a pas de carte, il n'y a rien, là, on découvre nous-mêmes, quoi. On découvre vraiment ce que les gens ont fait. Et là, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool parce qu'en fait, on est équipé. C'est ça qui est bien, c'est qu'une fois qu'on est équipé pour... qu'on a les vêtements, les skills et tout ça, ça fait... c'est intéressant, quoi, l'aventure. Elle est fun, vous voyez ce que je veux dire? Même que ça soit en intrus, ça devient vraiment fun en fait, d'aller n'importe où. Genre mon Timberwall, ça me fait pas vraiment peur, je suis sûr que ça va bien se passer. Enfin, j'espère. Mais voilà, si on fait attention, ça se passera bien. Quoi. On a fait la crique lugubre, on a fait la crique lugubre, on aurait même pas dû y aller, on était malade et tout, ça avec les loups gris. Et après on a fait la zone en haut de Milton, j'ai encore oublié le nom. La vallée, rivière calme, voilà. Vallée de la rivière calme. Ça par contre, cette zone a été assez compliquée, assez chiant, parce que je la connaissais pas en plus. Mais voilà, on l'a fait, et puis ça s'est bien passé au final quand même. On avait les ressources pour... ça se passe quoi. Donc c'est ça qui est cool quand on a le l'équipement pour. C'est ça qui est cool. On va faire ça. Ça, on va le garder. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose les 12 allumettes ou les 20 allumettes? On va déposer les 12 allumettes. On a du bois. On est à 43 kilos. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est l'eau. Je voulais poser ça là. Du coup, il est à peine midi. Il est à peine midi. Je sais pas quoi faire. De toute façon, on va devoir s'arrêter parce que l'épisode est déjà assez long. On va boire ça, parce que ça nous remet de l'eau comme ça. Ah, très bien. On n'a pas trouvé de métal. Ah, attendez. Avant de se quitter. Ok, on a la scie. Donc on avait vu que là, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de métal vraiment. La chaise de... C'est débile. Les timers aussi. Les timers des objets. Faudrait que ça soit recalculé. Parce que pour moi, ça a aucune logique. Il y en a très très peu qui ont de la logique. Tu vas pas me dire que genre une caisse, tu mets genre 15 minutes, puis après tu passes à une chaise, tu mets 3 heures. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de saut comme ça. C'est pas normal. Je sais pas. Je crois qu'il y avait un saut là derrière, non? Ah, ça c'est l'étagère. Où est-ce qu'on a vu des seaux? Mince, j'ai oublié. Genre il nous faudrait encore un petit ou un ou deux morceaux de métal. Et après on s'en va. Et le prochain épisode du coup on ira à la carcasse de l'avion. On fera ça. Ah mon dieu, je déteste cet endroit. Je crois pas que c'est cette maison, c'est la maison centre là. Genre le... sorte d'atelier. Ouais, on fera ça. On ira donc au crash de l'avion. On regardera tout ce qu'il y a là-bas. Et après, on ira donc du coup se réfugier au... ah, ça doit être celle-là. À la cache secrète, là, ou la cache, ou je sais pas trop quoi, là. À côté de la corde, pour aller à... c'est la maison, ça. Pour aller au Mont Timberwolf. Ouais, honnêtement, on a un très bon plan. On a un très très bon plan. Pourquoi j'ai pas pris ça? J'étais sûr que les lampes, on pouvait les scier, les grandes lampes, non?
C'est moi qui deviens fou ou... Je sais qu'elle est petite la lampe de chevet un peu. Il y a aussi le tissu. On va tellement avoir le mal de l'enfermement. Là c'est obligé 100%. Là on passe la nuit, on va avoir le mal de l'enfermement. Ça va être embêtant, je sais pas où aller pour dormir à l'extérieur. On verra. Bon, il nous faut encore une petite pièce de métal. On est tellement over préparé, quoi. C'est abusé. Mais bon, c'est fun. On est juste over préparé. Il n'y avait pas de... Il y a même un moment où j'ai dit, ouais, vous regardez le saut là, on peut le couper. Bah j'en sais rien. Et ben j'en sais rien du tout. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais refaire un petit tour à l'église et après on va dormir. Quoique non, en fait c'est non. Non, on va pas dormir, je vais juste passer une heure, histoire que ça sauvegarde, puis après on arrêtera là, et du coup, ouais, bah on repartira. Parce que là, un peu, notre journée, elle est un peu... Ouais. Elle est un peu coupée, là. Bon, c'est pas grave, allez, on avance. On avance. On a du bois aussi, si on veut. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on a besoin de faire du feu? Non, pas vraiment. On n'a pas beaucoup de nourriture, par contre. Donc, dans un sens, je me dis que... On pourrait rester là pour aller chasser. Il y a des cerfs pas loin. Je sais pas trop. Non, je crois qu'on ira chasser à la ferme. Parce qu'à la ferme, c'est possible qu'il y ait des loups autour. Donc si jamais il y a un loup qui essaye de nous bouffer les miches, bah ça sera très très bien. Mais ouais, je crois qu'on ira à la ferme pour dormir et manger. Et après on ira là, et puis après, comme j'ai dit, tu vois. Ouais, non, on va faire ça. Ouais, on a ça aussi. Ça, comme j'ai dit, on n'a pas d'ouvre-boîte, j'ai pas envie d'utiliser. Sinon, ça fait. Sinon, couteau. Regarde, ça, c'est un grippin, ça. On vient d'en couper un grippin. Pourquoi tu veux pas. Là, pourquoi le saut, tu veux pas non plus. Tu me rends fou, le jeu. Tu me rends fou. Alors, ça. Très bon. Et aussi ça à manger. Ouais, niveau calories, on a plus grand chose. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter comment J'ai pas envie de dormir une heure en fait. Chaise, 2 heures. 2 heures, ouais, ça fixerait notre problème. Allez. Voilà. Voilà, ça fixe notre problème de métal. Hein. Comme ça, on n'a plus besoin de courir après. Et on peut laisser cette scie. Et on prendra les autres. Et la pierre à aiguiser, on va peut-être pas la prendre avec nous non plus. On va peut-être pas la prendre avec nous non plus. On n'a qu'à dessiner, on n'a qu'à peindre. Ça fait beaucoup d'objets à chaque fois qu'on laisse. Mais comme j'ai dit, on reviendra.
On va faire ça. Matériaux. Là. Là, il faudra se rappeler que la voiture... Enfin, quoi que oui, si on voit voiture, ça veut dire que c'est une batterie, quoi. C'est ça, on le sait de base. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, sauvegarde. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'il faudrait encore attendre un peu pour dormir et tout ça. On dormira le prochain épisode. Donc, on s'arrête là. Donc, comme j'ai dit, la prochaine fois, on va... Donc, on va sûrement passer la nuit. Je vais peut-être raccommoder les... C'est embêtant, parce que là, on finit, en fait, sur la soirée au lieu de la nuit. Donc, c'est un peu emmerdant pour moi, comment je fais les épisodes. Enfin, c'est pas grave. On va se débrouiller. Donc, on va encore rester à la commune. On va, je sais pas, genre... faudra que je dépose ça. Rafistoler les vêtements, passer du temps, puis après on dormira. Peut-être lire le livre, comme ça on pourra jeter le livre. Et après, comme j'ai dit, je répète encore une fois. Je me répète souvent, je sais, mais bon, comme ça. On repartira ici, donc on fera comme ça, ligne droite, hop, tac. Et après, là, crash. Et on fouillera tout ce qu'il y a ici. Et puis après, Timberwolf. Et ça se passera bien. Voilà, à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé, ciao ciao.